We'll be right back.
En direct du musée de l'absurde, voici les Godette Brothers. Ben moi, comme vous pouvez voir, je ne suis pas au musée de l'absurde en ce moment. Je suis sur le Mont-Royal et c'est pas chaud, c'est venteux. Comment ça va, Tommy? Tommy Godette? Seller. Ah, ça va correct, un peu fatigué, on s'est couché encore tard hier. Finir la dandame avec Stéphane, c'est tout un bonheur. Puis là, le Jason avait un dossier de 4h30 sur l'aviation, puis la sauce locale. On a découvert un nouveau personnage, un certain Simon Machin, qui est souvent à TVA. Puis en tout cas, il est comme tombé dans un piège catégorie Twitter, level C. Puis en tout cas, ça brasse les jeudis. Beaucoup de plaisir, puis un petit peu fatigué. J'ai envie qu'on starte ça parce que tu sais, hein, tu comprends que vivre en Floride, c'est pas facile, hein? C'est pas facile. Non, puis tu sais. Non. Puis tu sais, il y a des histoires là-dedans, comprends-tu, de troisième lien, puis tout. Ouais, puis tu sais, ben... fait que ça peut faire de la peine à du monde. Écoute, je vais te faire écouter Jeff Sophilion. Ah, c'est un des meilleurs. Ouais. Fait que là, c'était pas prévu. On a comme décidé ça sur le tard, mais ça devrait être fonctionnel. Fait que voici ce pauvre Jeff. Radio Pirate. C'est chéquant ce qui vient d'arriver dans les derniers jours avec la confirmation de l'histoire du troisième lien. Depuis ce matin, là, je sais que j'ai. Je sais pas, j'ai mon moment, OK? On va se le dire. J'ai mon moment de découragement. On devrait être full crinqué, mais je sais pas. J'ai un bout de découragement là, qui pèse sur moi. Hein? Il y a quelque chose de pas sain qui se passe en ce moment. Il y a quelque chose de pas normal. Ça fait, on aime tous les deux, toi et moi, Not Death Metal sur Twitter. Puis très pertinemment, il a dit, ça me fait penser à quand Alexis Ornette-Strudel avait eu sa débarque. Tu sais, là, il n'y avait plus une scène, puis il pleurait, puis il avait dit, il va donc prendre des vacances. Aidez-nous, donnez généreusement. Ben, il retourne un petit peu à ça, là, Alexis. Au broyage? Ben, ces temps-ci, là, il est en campagne de financement. Oui. Il est en bâton. C'est partagé comme ça. Là, c'est, Grifters got a grift. Hein, la magie de la patente. Là. Mais c'était très triste. C'est triste, clairement. C'est un petit peu ça aussi, le troisième lien, tu sais, parce que. Moi, je suis beaucoup le dédomiseur ces temps-ci. Ouais, je te regarde d'aller avec. Ça a l'air bien, bien plaisant. Note. Et là, j'ai comme fait un checklist là, de choses qu'on a de besoin pour dédomiser. Puis à date, ça serait comme de l'esprit de bottine. OK. Chialage. Ouais. Puis un troisième lien. Parce que j'ai l'impression que parce qu'il n'y a plus de troisième lien. Il panique parce que peut-être qu'il ne pourra plus dédomiser. Moi, je suis très content que ce soit la logique écologiste, si on veut, qui a un petit peu gagné cette discussion-là. Je n'ai jamais vraiment cru au troisième lien non plus. Là. Je n'avais pas l'impression que... Puis là, il est arrivé la pandémie, le télétravail, le reste... je comprends que c'est important d'aller en auto. Puis là j'y ai écrit, tu sais. Avec le télétravail, les ponts sont plus bloqués comme avant. T'as-tu comme fait des tests? C'est correct là, d'être 10 minutes sur un pont une fois de temps en temps. C'est un peu ça la vie, là, le monde dans Montréal. Pis tout. En tout cas, ça a été pris très difficilement. Là. C'est un m'a dit la même affaire que j'ai dit cette semaine, je ne sais pas quand. Moi, je me sens
La seule raison que je me trouve à commenter ça, c'est que ça va être payé en très grande partie avec des deniers publics. Là, parce que sinon, je veux dire, je peux pas relater. Je ne suis pas à Québec, j'ai pas d'auto. Je suis capable de comprendre que il y a du monde qui sont frus, puis c'est correct. Là. Puis c'est vrai que. C'était une promesse. Ben voilà. Ça a été voilà. Changé de bord. C'est là que je m'en allais. On l'a vu, on a vu François Legault Power skater là-dessus, là, au débat à Radio-Canada, entre autres. Là, ils sont où les études? Ah, ils sont dans mon char, genre, ou en tout cas, je l'ai laissé dans locker ou au gym. Fait que ça avait été échappé. Sauf que là, ben, quand tu te ramasses au bout, je comprends très bien les gens qui sont de l'autre côté, puis Lévis, puis Chaudière-Appalaches, puis tout, puis tu sais, qu'eux autres, ils peuvent pas prendre le train ou le bus ou whatever en débarquant à 100 pieds de chez eux. Je comprends. Je comprends. Sauf que là, ce qu'il faut juste pas oublier dans cette affaire-là, et là, ben, tout le monde a le droit de pas être d'accord, c'est que ça va favoriser le transport en commun. Je comprends qu'il y a du monde qui n'a pas le choix d'avoir des pick-up, des SUV, qui ont 4 enfants, qui sont sur la route. Je comprends tout ça. Mais, tu sais, au-delà de ça, je pense que sur le long terme, en tout cas, j'ose espérer que ça sera quelque chose qui sera le fun. Mais, écoute, faut qu'on aille voir le... Oui, oui. Puis tu sais, ça arrive des fois dans la vie, Tommy, des gens, ils ont des émotions, là. Je m'étais parlé. Je veux d'abord présenter mes excuses aux gens de Lévis. C'est grave, là. Et aux gens de Chaudière-Appalaches. J'ai pris un engagement et je ne suis pas en mesure de le livrer. Et donc, je comprends leur déception. Je comprends leur colère. Et je suis vraiment désolé. Bon. Écoute, tu l'as fait. C'est réglé, là, c'est correct. Tout le monde comprend que tu souffres et que c'est difficile. Puis, écoute, ça n'a pas mieux été. Ça s'est réveillé. Oui, non, je comprends qu'il peut... Bon, attends un peu, là, c'est... OK, là, j'espère que tout le monde me voit parce que ça chope. Il va falloir peut-être repartir attendez un peu. Je pense que je comprends ce qui se passe. J'espère que vous m'entendez pareil. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, ça, par exemple. C'est un peu poche. Non, on est gelé. Fait que Tommy, tu m'entends-tu? J'aime mieux le monde qui s'excuse quand ils réalisent qu'ils sont enflammés. OK. Hey, Tommy, attends un peu. Moi, je t'ai entendu un instant, là. Ouais, OK. Mais là, on a eu un petit glitch. On a eu un petit gel. Là, t'as l'air revenu. Je pense... Ouais, je suis là. Ouais, non, c'est correct. On stream plus, là. C'est ça, mon point, là. OK. Je vois juste... Parce que ça pourrait... bon, t'as un peu. Je vais voir, j'ai un transfert qui est en train de se faire. Je vais l'arrêter, là. Comment on fait poser ça? Bon, c'est ça. Là, je pense que c'est ça parce que... OK, je n'ai plus rien qui transfère. bon. Reconnexion réussie. Recharger le lecteur. Ça a l'air correct. Bon, voilà. Fait que désolé, les amis. On va se flageller nous-mêmes. Ouais, c'est ça, c'est peut-être videz-moi le tronc, Tommy. J'ai raconté les aventures de l'Internet illimité que tu peux pas trop t'en servir, mais bon, on repartira pas là-dessus. Ça marche, puis ça va bien, là, fait que... Ben oui. Merci, désolé de votre compréhension, les amis. Bon, voilà. Alors, allez-y, bien sûr, dans le chat, de vos théories sur les raisons, le curse of Jason. Ah, moi, je le sais, là. Moi, j'ai pas surfé. J'ai pas saugé. Moi, c'est pas mal ça, la Ah ouais, la... Hein, toi, c'est ça ton truc pour... Ah ouais. Bon. La dernière fois que j'ai eu un gros bug sur ma chaîne dans la diffusion, on avait oublié de sauger. Fait que c'est la preuve est là, on a fait le test. Puis là, regarde, tu vois, on n'a pas saugé. Sauge qui peut, voilà, comme le dit très pertinemment. Hey, je veux te parler d'autre chose, moi, parce qu'on a. C'est sûr que c'est des. Venu live, là. Oui, ouais, tout est... fonctionne. Je vois nos. Hey, allô, faces, allô, tout le monde. Allô. Ouais, c'est ça. Non, mais attends un peu. Moi, je veux finir sur le troisième lien avant d'aller vers autre chose, là. C'est que, mettons, là, toi, tu as parlé qu'il y a des familles qui ont besoin de leur véhicule, puis ils sont vraiment.
Fair enough. Mais chaque personne qui est enlevée de la route aide toutes les autres qui n'ont pas le choix d'être sur la route. Fait que des navettes de transport collectif, des affaires comme ça, ça va immanquablement pouvoir aider tout le monde. Puis imagine avec un tramway, je sais qu'il y a des gens qui ne l'aiment pas, le tramway. Puis après ça, le train-là, écoute, Québec, ça va devenir une ville moderne. Go, Québec, go! Ouais, ouais, ouais. Puis écoute, tu fais très bien de mentionner ça parce que tu as tout à fait raison. C'est sûr que pour chaque personne qui a besoin de ne pas utiliser le transport en commun et qui n'a pas le choix d'opérer un gros véhicule ou peu importe, excusez, là, je suis en train de m'envoyer des affaires en même temps pour tantôt, mais c'est clair que chaque fois que tu as quelqu'un qui se retire de ce trafic-là, il rend service à ceux qui ont vraiment comme fondamentalement pas le choix. Puis, c'est le transport en commun, là, puis je vais closer là-dessus pour ma part. Le transport en commun, si tu fais le choix conscient de n'utiliser que ça, tu viens à bout de t'arranger. Là. C'est un, mais si ton objectif, c'est l'autonomie, tu n'auras jamais ça si tu utilises juste le transport en commun. Il faut que tu fasses le deuil de ça, tu n'as pas le choix. Là. C'est de même. Là. C'est une réalité. Puis, ben regarde, il y a du monde qui peuvent, puis il y a du monde qui ne peuvent pas. C'est tout. Rendu là, je veux dire, à partir de ce moment. Mais les gens qui vont me servir. Il y a trop de personnes, je trouve, bien humblement, il y a trop de personnes qui te sortent l'argument de ouais, mais c'est parce que moi. Non, non, c'est moi. Moi aussi, parce que moi. Moi, j'aime ma main, j'aime ça aller avoir. C'est 10 heures aller, 10 heures venir parce que j'ai fait le choix conscient de ne pas avoir de charge. Je ne me lamente pas de ça. C'est une décision que j'ai prise, je deal avec, puis c'est correct. C'est ça, c'est juste ça. Tandis que quelqu'un qui va me dire, « Ouais, mais regarde, moi, je suis représentant sur la route puis je vends des pièces de machinerie lourde. Hey, dude, parfait, ça te prend un pick-up, je comprends, là, puis tout. Tu peux-tu trouver un pick-up hybride? Tu peux-tu penser à peut-être, tu sais, configurer tes voyages pour qu'ils soient optimaux? Tu sais, si ça te tente, ça serait vraiment cool. No, fuck you! OK, c'est correct. Fait que je vais encourager quelqu'un d'autre qui a le plus de chances d'accepter de prendre le transport en commun pour compenser pour toi. Hein? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Surtout qu'il y a un nouveau rapport de l'OMM, là, l'Organisation mondiale de la météo. Je pense que c'est ça, là. Je sais que c'est l'OMM. Mais les glaciers fondent à une vitesse extraordinaire. Là, on sort de, tu sais, le contraire de El Niño, c'est la Niña. Puis c'est comme il fait un petit peu plus froid pendant un temps. Puis là, on sort de ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme eu moins de canicules. C'est weird de dire ça, mais il y a eu des sécheresses en Europe et tout. Puis là, ben, on sort d'un phénomène mondial météorologique qui fait qu'il fait un petit peu plus froid. Fait que là, les glaciers, il y a des montagnes en Suisse qui n'ont pas eu de neige de l'hiver, des montagnes de ski. Fait qu'ils font juste des trails avec de la neige artificielle. Là, c'est pathétique de voir ça, les photos de ça. Fait que chaque effort est important. Non, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Là. Ça nous fait penser à le film qui est sorti récemment avec Leonardo, là, que le météore s'en vient sur la Terre. Que le monde en fait des chutes. Puis c'est en train de se passer. Là. Puis hey, écoute, peut-être pour changer de sujet, là, j'aimerais ça jaser un petit peu avec toi de ça, là, l'espèce de paradoxe qui est en train de se passer au gouvernement, tu sais, puis à Radio X, hein, ça implique beaucoup ça, là, quand on parle de politique provinciale, surtout dans le cadre de mes activités quand je parle, moi, de politique. Là. Mais Radio X, tu sais, eux autres, ils veulent que le gouvernement, il y en ait moins, puis ils veulent que ce soit mieux géré, puis ils veulent que, tu sais, puis tout. Puis, il y a ce Québec solidaire. Puis là, il y a un rapport indépendant qui dit que le salaire des députés de l'Assemblée nationale devrait être augmenté d'environ 30 000 $ par année. C'est une augmentation de genre 21-30 dans ces eaux-là. Et le seul parti à date que j'ai vu qui est vertement contre cette idée-là de se voter à soi des augmentations, c'est Québec solidaire, qui n'arrête pas de dire que ça n'a pas de bon sens, on ne devrait pas faire ça, blablabla. Fait que là, ça veut dire que Radio X, qui déteste le gouvernement, qui est gros puis qui coûte cher et qui déteste QS, ils ont comme allié dans cette discussion-là QS seulement. Genre, ça, eux autres qui ont vilipendé Catherine Dorion comme all the way puis tout. Mais ça va arriver plein de fois, ça. C'est débile. Ça va arriver plein de fois, ça. Tu sais, la nouvelle politique, là, j'ai envie d'appeler ça comme ça, là, va, tu sais. Puis ça, là, tu vois, une des on en a parlé ensemble au Mercredi, puis une des affaires qui est symptomatique slash une causale à ça, c'est qu'avant,
la droite, c'était la CAQ. Ben oui. C'est capoté, là. Répétez ça dans votre tête. Avant ça, moi, comme électeur, si je voulais voter plus à droite, mon option, c'était la CAQ. Ben oui. Puis là, à cette heure, t'as Éric Duhem. C'est ça. Et son, sa fine équipe, là. Ah, c'est des pis, oui. Le médecin qui est anti-avortement. Ah oui, il y a plein de monde sympathique. Le gars qui s'est menotté à son 5 gallons vide. Le gars qui dit. Éric Duhem a défendu le droit, ou appelons ça, le droit des établissements de recevoir des drag queens pour lire des contes et le droit des drag queens à lire des contes aux enfants. Il braille contre ça, parce que puis sa défensive, c'est de dire, imaginez si c'était un curé, imaginez si c'était ci, puis c'était ça. Quand il a défendu son candidat qui était anti-avortement, la raison qu'il a invoquée, c'est que c'était à cause de sa religion. Hostie de maillet! Tu t'entends pas! C'est... Moi, là, quand on parlait, moi et Frank, dans le crachoir, de l'arrivée d'Éric Duhem dans cette course enlevée, à la chefferie du Parti conservateur contre Dan Bélisson, le capot des Touti Capi de Maxime Bernier au Québec. On avait dit, ah, mais là, ça va élever un peu la game des conspirationnistes, ça va s'upgrader un petit peu, parce que là, Éric Duhem, c'est un fin renard, tu sais. Stimpy, oui! Ça n'a pas de sens! Ben, il est bon pour... C'est un bon spineux. La victime, c'est ça, c'est un excellent démagogue dans oui. le conseil. Oui, oui. Ouais. Ça, là. Il est tout le temps comme victime de quelque chose. Il faut juste attendre. Là, il va nous expliquer il est victime de quoi. C'est rapidement pathétique de l'écouter parler. Même quand il y a des critiques de on a lu ça cette semaine au Mercronspi, mais il y a des critiques de gens de son parti qui aiment beaucoup ce qu'il fait, qui aimaient peut-être. Ouais, qui s'en vont. Très légitimement en disant le programme du parti, il n'y a personne qui le comprend, t'en parles jamais. Puis c'est vrai, la foi, tu te rappelles, dernièrement, il y a eu un hôpital privé là, qui était supposé arriver ouais, à Montréal. Les mini-hôpitaux, là. Les trois. Genre, c'est ouais. ça. Puis là, il a fait une conférence de presse pour chialer que c'était pas précis. Puis là, il y avait des documents disponibles, puis il y avait toutes les réponses là-dedans. Puis le journaliste, tu sais, c'est vraiment... l'allégorie de crier au loup pour rien tout le temps. Ah, c'est magique, c'est magique. C'est la quinte, c'est le conspi quintessentiel. Parce que ce qu'on leur reproche souvent, tu sais, c'est de juste lire les livres d'articles, pas lire les articles, blablabla, bla, bla, tout le kit. Puis là, après ça, ben c'est pas des caves, les journaux, là. Ils vont mettre des leads qui vont justement attirer les yeux. C'est ça le job. Fait qu'ils lisent pas. Fait que Éric Duhem fait exactement la même. Le gars qui a pas payé ses taxes est contre les augmentations de taxes foncières. Chris, comment tu veux défendre cette position-là, Tommy? Comment tu veux être pris au sérieux? Ça n'a aucune espèce de sens. Fait que c'est Frank qui le dit le mieux. Éric Duhem, il n'y a pas d'électeurs, il y a des fans. C'est des fans qu'il y a. Puis, tu sais, fait que c'est pas grave si il y a des affaires inconséquentes. C'est pas plus grave que ça. Puis, regarde, hier, c'est hier, le syndrome de Popol. Puis, regarde, c'est pas plus grave que ça. Mais vas-y. Je veux dire, avant, il y avait comme Anne Casabonne qui venait dire des niaiseries avant qu'il parle au micro. Mais ça serait qui le numéro 2 de ce parti-là? Il n'y en a pas. C'est un parti d'une seule position et d'un seul être humain. Il n'y a personne. Ben, OK, le numéro 2 jusqu'à récemment, c'était Claire Chanson. Ben oui. Ben écoute, elle était élue. Oui. Là, il peut. Là, il devrait aller sur Job Boom puis des affaires de même pour se trouver des députés. Là. Il devrait passer par d'autres canaux. Parce que dès qu'il y a une crise au gouvernement, c'est hallucinant de voir le racoleur Éric Duhem-Agob arriver avec sa gang de followers en arrière de lui au lutrin. Avec le visage éploré, voyez, nous sommes la solution. On le sait que vous êtes en tabarnak. Venez-vous-en avec le Parti conservateur. N'importe fucking quoi. Nous, on est des démocrates, on vous aurait laissé vous exprimer votre opinion. J'ai risqué ma vie, moi, pour la démocratie, quand je suis allé au Maroc, puis il y a des pays d'Arabie. À,
À moins que ce soit d'être anti-avortement, ça, vous allez faire ça dans le privé chez vous. Ouais, parce qu'il n'y a pas de ligne de parti, sauf qu'il y a une ligne de parti qui fait que tu n'as pas le droit de parler de ça en public. Mais on est pour la discussion et tout. Mais tu sais, chacun ses croyances, sauf que là, il n'y a plus de curé à l'école. on est pour la laïcité, sauf quand tu as une religion. C'est ça. Quand tu as une religion, là, c'est correct, mais sinon, on est pour la laïcité. Hey, Tommy, je vais t'emmener ailleurs parce que faut qu'on parle un petit peu d'un dossier. On va le faire rapidement là, parce que ça n'aura pas. Heureusement, ça n'aura pas duré longtemps. Je veux te parler. En fait, officiellement, ce shit show-là va avoir duré 5 jours. Le 16 avril, Poilievre avait les bras dans les airs, victoire sur toute la ligne parce qu'il avait fait ajouter la marque financée par le gouvernement. Hier, une organisation internationale a demandé à Twitter de corriger ses descriptifs en ce sens-là. Puis là, aujourd'hui, à 6h15 à matin, la presse publiait que la mention média financée par le gouvernement était supprimée de CBC. 5 jours, ça dure. C'est quoi ce que tu fais si t'es la CBC? Tu y retournes-tu? Ben, j'y retournerais, mais j'attendrais un bout, là. Ben oui, pas ça. Chris, que c'est... C'est cave, là. Quel âge, ce gars-là, Chris? C'est vraiment cave, là. C'est vraiment cave, là. Totalement cave, là. T'as-tu vu le deuxième Knives Out de Ryan Johnson? Là, le plus de whodunit, je te conseille les deux. Puis le deuxième, en tout cas... Parce que là, ça. CBC, c'est... Il est coulé parce que j'ai fait ma punch, là, mais le deuxième, Elon Musk... Écoute le deuxième, je te le recommande fortement. Le pire dans cette histoire-là, c'est que c'est pas juste CBC là, qui a pris des décisions basées sur cette affaire-là. Il y en a eu plein. NPR aux States, il y a un média suédois d'importance aussi. Tu sais, tout ça, parce que au-delà de la petite marque bleue, parce qu'on va y revenir tantôt, là, mais au-delà de la petite du crochet bleu, au-delà de toutes ces affaires-là, c'est parce que inévitablement, si tu mets des mesures en place pour faire en sorte que des médias importants comme ça ne sont plus sur Twitter, un, ben, tu fais invariablement diminuer la crédibilité de ce qui circule sur ton média, de un. Mais de deux, c'est que tu te soumets, tu prêtes flanc à l'inévitable comparaison avec des régimes totalitaires où est-ce que là, le quatrième pouvoir, il n'existe pas. Puis que quand tu vois une nouvelle, ben tu sais que c'est vraiment... C'est pas government funded, c'est government decided. C'est pas pareil, là. Oui, exactement. C'est ça qui est complètement... merci, Dan de Chambly. C'est vraiment manière, niaiseux, là. C'est une manière d'attaquer la démocratie. Tout à fait. Pour vrai, là, on est en train de valoriser, d'enlever de la crédibilité à tout ce qui fait que... On a de l'eau chaude quand ça nous tente, puis ça va débouler rapidement là, un coup que... C'est vraiment colon. Ah oui, exactement, c'est ça. Puis il y a des répercussions plus profondes que tout ce qu'on peut imaginer voilà. Pour l'instant. Parce que là, tu vois, tout ça coïncide également, puis j'ai l'impression que Elon Musk n'a pas voulu se battre. Bon, je vois qu'on risque d'avoir... Bon, OK, ça a l'air correct. Là. Je regarde le stream, il est vert, mais bon. J'ai eu peur qu'on tombe encore en lag. Elon Musk a probablement choisi de ne pas se battre sur deux terrains en même temps. Parce que là, cette affaire-là, cette polémique-là d'aller mettre la mention financée par le gouvernement coïncide avec la fin du crochet bleu. Puis ça fait un autre shit show à gérer, ça-là, parce que là, on a commencé à voir ça. Il y a Guillaume Lepage au Québec qui a décidé que c'est bye-bye. Il y a plein d'autres vedettes. C'est des Lady Gaga de ce monde non plus, ça. C'est quoi? Bon, pour ceux que ça intéresse ou qui connaîtraient moins Twitter, c'est vraiment pas compliqué. Le crochet bleu, c'était un dispositif qui était mis en place par l'ancienne administration de Twitter à travers laquelle des personnalités politiques, des personnalités publiques comme Guilla, comme Lady Gaga, comme plein de monde, il y en avait 300 000 à peu près sur Terre, ça attestait du fait que tu regardais vraiment leurs affaires à eux autres. Donc, C'est reconnu. Par un processus interne qui permettait là, de double puis triple checker c'était qui cette personne-là, bien, ça faisait en sorte que si tu voyais un tweet de Guillaume Lepage qui avait le crochet bleu à côté, bien, tu savais que c'était réellement Guillaume Lepage qui a fait ça. Là, ce privilège-là, maintenant, tu as le droit de l'acheter. Il ne t'est plus offert. Il coûte 8 piastres par mois.
Puis là, ça peut être Tartampion, ça peut être n'importe quel maillet qui peut payer 8$ pour avoir le crochet bleu et te donner la même impression de crédibilité que Guillaume Lepage te donnait et pour laquelle il n'avait pas besoin, lui, de payer 8$. C'est pas plus dur que ça. C'est ça, la game, là. Quelle tataque! Fait que moi, je comprends très bien Guillaume Lepage de sacrer son camp. Puis comme il l'a dit, c'est pas une question d'argent. On le sait tous que Guillaume Lepage, il est fortuné. C'est pas ça. C'est payer pour me faire insulter, ça va faire, là. Ben oui, ben oui. Tu sais, je paierais pas pour me faire envoyer promener puis m'en aller dans la jungle de Twitter tous les jours, ici, là. C'est ça, puis c'est de moins en moins géré, là. Je veux dire, ils ont ramené Babylon Bee puis d'autres affaires foncièrement bigot, puis Trump est de retour, puis ces affaires-là. Ben là, il est réaccepté, mais il va pas tweeter. Non, là, non, ça, il est en guerre contre Elon Musk. Ben oui, il est sur les pouettes, là. Ah ouais. Ouais, c'est la guerre des croûtes pour vrai. Prout sur chaud. Ce que je trouve assez niaiseux, c'est que pourquoi il a pas fait comme... Là, il y a les crochets bleus, c'est du travail à longue haleine de vérification de tous les employés de Twitter. C'est une marque de commerce de Twitter. Mm-hmm. On garde les crochets bleus, on continue à en donner quand on en donne, on garde le processus, c'est une bonne idée. On fait des crochets rouges de monde qui paye pour avoir... Voilà, comme, de pouvoir corriger son tweet, de pouvoir, d'avoir une meilleure exposition. Toutes sortes de manières qui auraient pu justifier de mettre 8$ là-dedans, d'avoir un contact si tu as besoin de parler à quelqu'un. Puis tu mets, mettons, un crochet violet quand c'est quelqu'un qui se paye le crochet rouge et qui était un crochet bleu. Fait que ça te fait les trois manières différentes. Tu peux rentrer de l'argent parce que c'est tout le temps ça qui ramène. On dirait que toutes ces justifications morales sont liées à l'argent. Il faut que Twitter soit autonome. Puis s'il est autonome, ben, il va pouvoir être plus libre puis être plus neutre. Sauf que là, Chris, il commence à avoir des pubs d'OnlyFans, de monde à moitié habillé. Puis je sais pas s'il n'avait avant, là, mais là, je n'ai vu aujourd'hui puis je n'avais pas vu avant. Je ne sais pas vers quoi ça sent pas. Là. Moi non plus. J'ai vraiment l'impression d'être en suburban avec Elon Musk sur Twitter depuis le mois de novembre dernier. Ouais, depuis que le deal s'est fait, dans le fond. Parce que moi, là, tu sais que c'est que j'ai pris comme décision aujourd'hui relativement à ça? Parce que, un, c'est vrai que c'est 6% des Québécois qui sont actifs sur Twitter. Comprenez bien, ça ne veut pas dire qu'il y a juste 6% des Québécois qui ont un compte Twitter. C'est probablement plus que ça, mais qui utilisent Twitter, c'est 6% à peu près, là. Moi, je vois la grande majorité du contenu que je diffusais sur mon compte GoMart sur Twitter, ben, je vais aller le mettre sur ma page professionnelle aussi sur Facebook. Ben, comme ça, ben, si à un moment donné, je décide de jumper, ben, fait que si vous voulez, ben, dans mon cas, moi, là, c'est un peu particulier parce que j'ai pas de page personnelle sur Facebook parce que je suis un fugitif en cavale, mais sinon, Martin Godette, page pro, ça c'est correct. Puis il y a déjà des dispositifs en place pour éviter que je me fasse sacrer dehors de ça. Fait que ça serait les deux meilleures places. Puis je raconte ça parce que oui, je me promote un peu, mais il va y avoir plein de monde dans la même situation que moi éventuellement, là, si ça ne change pas, là, c'est clair. Là. Hey Tommy, il faut que je t'emmène un petit peu ailleurs parce qu'évidemment, tu as entendu parler, on a tous entendu parler de... Moi, je salue le courage de Catherine Fournier, puis je crache sur les maillets qui ont rien d'autre à dire que c'est de l'opportunisme de sa part, puis de toutes sortes, toutes les conneries, les inepties auxquelles on est habitué. Mais je veux prendre deux secondes pour saluer le maire de Rimouski, Guy Caron, je pense. Je ne veux pas le dénommer. Là, attendez un peu, m'enlève faire sûr parce que je ne veux pas. Guy Caron, voilà, qui a envoyé une lettre, lui, à la station CIFIC du groupe Simard. C'est fixe, pardon, du groupe Simard. Je te montre ça, Tommy. On va l'aller rapidement. Là. Par la présente, je désire vous faire part de mon indignation quant aux propos répréhensibles qui ont été tenus mercredi matin à la station CFX 93.3 de Rimouski, dont vous êtes le propriétaire. L'animatrice Monica Bourgeois a clairement placé une partie de la responsabilité de l'agression sexuelle subie par Catherine Fournier sur la victime des propos initialement défendus par son co-animateur Pierre-Yves Renaud, qui parlait d'un débat de société important à avoir. Imagine-toi. Détenir une licence de radiodiffusion donne à ses propriétaires, gestionnaires et animateurs une tribune d'une importance dont bien peu de citoyens et citoyennes peuvent se prévaloir. Avoir un micro est un privilège puisque cela permet d'exercer une liberté d'expression auprès d'un vaste auditoire, influençant ainsi la portée et la teneur des débats publics. Cette liberté doit donc s'exercer en faisant preuve d'une grande responsabilité. Ce n'est pas un cas isolé.
Les animateurs de l'émission du matin, Pierre-Yves Renaud et Monica Bourgeois, ont tenu depuis quelques jours et à plusieurs reprises des propos odieux et inacceptables. Ces graves propos envers la victime d'une agression sexuelle constituent le plus récent abus de cette liberté. C'est jouissif. J'aimerais vous rappeler que lundi dernier, M. Renaud s'en est pris à un citoyen, M. Paul-André Dufour, le dénonçant agressivement pour des questions tout à fait légitimes posées par ce dernier lors des séances publiques du conseil municipal. Les commentaires de M. Renaud à son endroit étaient insultants, menaçants, et ce, simplement parce que le citoyen ne partage pas la même position que M. Renaud sur certains enjeux. Nul citoyen ne devrait subir une telle dénonciation publique pour, en raison de ses positions. C'est pas fini. On continue ça. Oui. Je vais faire ça vite, là. Il y a environ un mois. Bon, je vais laisser faire ça. Je vous annonce donc, je vais vous laisser faire les trucs de régie interne de la ville, là. Je vous annonce donc par la présente que dorénavant, ni moi, ni aucun représentant, conseiller ou employé de la ville de Rimouski ne collaboreront avec la station CFIX 93.3 ou d'autres stations du groupe Radio Simard, qui n'est pas un petit groupe, c'est quand même plusieurs stations, tant et aussi longtemps que un. Madame Monica Bourgeois et M. Pierre Renaud demeureront à l'emploi du groupe Radio Simard et que deux, le groupe Radio Simard ne se dotera pas de règles de diffusion rigoureuses visant à encadrer les propos de ses animateurs de manière à empêcher que de telles attaques envers les citoyens ou les victimes d'actes criminels ne se reproduisent. De ce fait, j'exerce ainsi ma propre liberté d'expression, celle de l'utiliser pour les canaux que je juge respectueux envers les citoyens et surtout envers les victimes d'actes criminels, dans l'attente d'une action ferme, rapide et sans ambiguïté de votre part dans ce dossier. Je vous prie d'agréer mes salutations. Le maire Guy Caron, ce à quoi je réponds. Ah oui, bon job, Caron, Chris. Bravo. C'est l'espèce de modèle choc-jock dirait que... C'est un modèle-là veut que ça fasse ça. T'sais, il faut tout le temps que tu repousses comme là, t'es au bout de la laisse de la liberté de l'expression, puis là, à un moment donné, t'as la perte, puis là, ben, tu retournes dans la niche, puis là, ben, tu recommences à aller... T'as un élastique qu'on te laisse étirer jusqu'à temps que tu l'échappes, puis tout. À un moment donné, il faudrait que ça arrête, là, ça, là, tu sais. Puis moi, je suis tombé dans ce panneau-là, là. J'ai pas peur de le dire, là. Je sais pas si c'est l'âge ou... Mais je suis bien plus rigoureux pour ce genre de choses-là. Traitez-moi de woke, que traitez-moi de ce que vous voudrez, mais ça n'a pas sa place. Tu ne peux pas dire que quand tu prends ta douche, tu envoies un message à un homme que, dans le fond, ce que tu veux, c'est « let's get it on ». Tu ne peux pas dire ça. Là. C'est complètement ridicule. C'est complètement épais. C'est faire reposer le fardeau d'une agression sexuelle sur le dos de la victime. Hostie de niaiseuse. Je comprends pas aussi le besoin d'en parler autant en public sur quand que le maire dit tu sais, que tu as une responsabilité avec ton droit de liberté d'expression que tu peux utiliser à tout le monde comme ça. De penser que c'est légitime de chialer contre quelqu'un qui est allé au conseil municipal en le nommant comme ça en public, je trouve que c'est... Je peux pas comprendre que quelqu'un réalise pas que c'est super niaiseux de faire ça avant de le faire. Tu sais, des fois, on fait une affaire, puis là, on réalise après l'avoir faite que c'était super niaiseux. Des fois, on le voit venir que c'est super niaiseux avant de l'avoir faite, mais là, dans ce cas-là, je comprends pas. Vas-y. C'est juste que je cherche quelque chose, en fait. C'est un article que j'ai vu, je pense que c'est ici, Radio-Canada. Mettez-le pas dans le chat, là. Je vais sûrement en reparler peut-être dimanche, mais en tout cas, je me souviens plus quel organisme. Je ne sais pas si c'est le CPRST ou si c'est le CRTC ou en tout cas un autre bras journalistique et ou radiophonique qui a carrément dit « Regardez, arrêtez d'envoyer des plaintes concernant l'affaire Catherine Fournier, on n'en prend plus, on en a assez, là. Ça fera pas, tu comprends, là, le dossier avancera pas plus vite et il ne deviendra pas plus grave si on reçoit d'autres plaintes, ces plaintes-là. » On comprend, là. C'est correct. Vous êtes tous en crise. En gros, c'est ça le message qui est envoyé. Imagine, c'est quand même assez ouais, spécial. Mais vas-y, j'aimerais ça qu'on... On peut écouter mon clip, peut-être. Fais-moi donc. Ben, pendant que... Bouge pas pendant que... Bon, voilà, je vais aller le placer au bon endroit. Désolé pour cette... Mais je pense... Là, tu parles du fameux guérisseur, là. Hein, c'est ça, là? À 6h40, là.
Un gars, il s'appelle Gambi Machin. Là, c'est un de mes clips préférés de l'année à date. Là. C'est le gars qui nous a fait un montage sur Bolloré. Il y a des chaînes, là, c'est des chaînes de TV. Là. C'est un magnat de l'information d'extrême droite qui est très prosélyte avec ses idées. Et elle nous a fait un montage de quelques-uns des pires moments de certaines émissions niaiseuses. Et vous allez voir, là, on va écouter un extrait dans lequel il y a un... On ne fait pas de diagnostic, mais... Un monsieur. Mettons, il me lève des red flags en esti, on va dire ça comme ça. On se questionne. Ben oui, vous allez voir, là, il dit que lui, il aide les victimes de pervers narcissiques à décrocher des pervers narcissiques. Et vous, c'est vraiment un des clips les plus hallucinants que j'ai vu cette année. Tu m'as bien dit à 6:40, hein, c'est ça? Oui, OK, OK, on passe. Cela arrive. Voilà. Christian Gambi, alors on peut dire que vous exercez un travail hors du commun, puisque vous êtes énergéticien, guérisseur. Alors je sais que sur le synthé, c'est marqué psycho-énergéticien, vous nous raconterez vraiment votre métier. Alors comment ça se passe? Comment vous accompagnez une victime qui vient vous voir et qui est sous la manipulation d'un pervers? Donc quand j'accueille une victime, la première chose que je regarde, c'est son champ énergétique. Ouh, mon regard. Oui, c'est vrai, ça encore. Pour une fois, il n'est pas jugé comme pervers narcissique, je prends comme victime. Donc... On a tous un champ énergétique hein, qui part du corps, qui fait à peu près un mètre. Et il est censé être assez équilibré. Ben, une victime de pervers narcissique, comme vous disiez, comme disait Natacha, il va avoir tendance à fuir son corps. Et en fuyant son corps et en ayant cette peur... Pour se protéger. Ben, il est pétrifié. Hein, cette victime est pétrifiée face à un pervers narcissique. La seule solution qu'elle a, c'est de quitter son corps. Et généralement, le champ, ce qu'on appelle l'aura d'une personne, est très 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 fine, parce que le pervers narcissique sait choisir ses victimes, il ne va jamais s'attaquer à plus fort que lui. Il a une aura qui est un Par peu contre, comme des ça. Des personnes qui sont souvent brillantes, lumineuses, Absolument, mais... généreuses, etc. Oui, et ils ont surtout une énergie très développée au niveau du crâne, du dos, et ils manipulent les gens avec, si vous voulez, ce qu'on appelle des streamers, qui sont des harpons énergétiques, mais non. qui partent du dos. Ou du troisième chakra. Vous les voyez, vous ? L'identité, ça m'arrive de voir, hein ? L'identité des personnes, pour en fait les empêcher de partir pour pouvoir les manipuler. Ouais, un truc, hein, là. Non, mais là, par exemple, là, ce que vous voyez, un truc, là... Là, je vois rien du tout. Hein non, non, un peu de lumière bleue autour de vous. Non, non, en tout cas, je vois pas de streamer qui m'arrive dessus. Je suis pas trop inquiet. Non, mais vous voyez, donc... Un champ magnétique. Une aura. Non, mais là, il est en interview, il peut pas, il est... si vous voulez. Okay. Et donc, du coup, voilà. Les victimes, oui. généralement, il les choisit, il sait les choisir, ils ont un instinct fabuleux, c'est pervers. Leur champ est très faible, ok? Et leur champ est très faible, et quand ils sont face à une situation pareille, la seule solution qu'a la victime, c'est de sortir de son corps. Oui, c'est maillé. C'est la fuite par le haut. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas d'ancrage, et qui sont très connectés au spirituel. Et la seule solution, c'est de retourner là-haut parce que c'est beaucoup mieux que sur Terre. Mmh. Donc, et ça, c'est ce qu'elles vivent généralement. Oui, la fille, elle pour pas à toutes. Vous voyez, c'est une enfant la pas souhaitée. Une blessure. C'est une blessure de naissance. Alors, c'est la blessure existentielle. La blessure, ça peut être quoi alors, très concrètement? Ça, c'est une caricature. Hein. Il y a des multiples D'accord. blessures. Là, j'en parle d'une, si vous voulez, dans ce cas-là. Mais en tout cas, si elle est pétrifiée, c'est qu'elle est incapable d'affronter. Elle n'a pas ce côté agressif qu'a le pervers narcissique. Elle n'est pas capable de partir. Elle est pétrifiée sur place. Et sa solution, c'est de quitter son corps. Cruche. Et il y a une partie d'âme, et une grosse, grosse partie d'âme qui part. Et va où ? Rejoindre sa partie divine. Non, reste vous poser deux questions. Oui. Alors, du coup, voilà. Quel est votre travail ? Une personne vient vous voir, donc il y a une sortie de corps, entre guillemets, énergétique. Hein, alors, quand elle vient me voir, oui, il faut que... C'est pour ça qu'elle reste sous l'emprise du pervers, alors. Bah, quand elle vient me voir, déjà, j'essaye de voir dans quel état énergétique, comment est son système d'énergie conscience, parce que je travaille sur l'énergie conscience. C'est-à-dire que dans notre champ sont imprimés tous nos traumas. Check le dos d'à côté, travail, comme si ta gueule, Donc, merde. Je peux observer que son champ est complètement réduit, pratiquement à néant au niveau des jambes, parce qu'elle n'a qu'une seule envie, c'est de partir là-haut, donc c'est concentré vers le haut. Et aussi que sa ligne, ce qu'on appelle une ligne de hara, c'est ce qu'on a tous, hein, c'est une ligne, on va dire, virtuelle d'énergie qui part du centre de l'univers, qui nous traverse et qui va jusqu'au centre de la Terre. Elles n'ont plus aucune connexion avec la Terre. Ah, ils n'ont plus de connexion avec la Terre. Parce que c'est le chemin qu'elles préfèrent prendre. Et donc, elles arrivent à se rallonger sur une table. Oui, alors, bien sûr. Poser les mains.
Alors, je pose les mains, ça c'est mon travail d'énergéticien. Je travaille sur le corps, sur certaines parties du corps avec son autorisation et sur son champ. Regardez, on pourrait. Ah, viens ici, moi, de travailler sur le champ, là. Il y a des massages énergétiques. Même avant que l'émission commence, il lui demandait combien c'était. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas du tout un pervers narcissique. C'est pas du tout sa blessure. Mais non, mais ça se voit. Mais on a tous les blessures, quoi qu'il en soit. Mais non, vous n'êtes pas un pervers. Mais non, vous n'êtes pas cinglé du tout. Voyons, ça se voit, ça se voit. Parce qu'elle n'aime pas son corps. Elle le fuit. Et pour la soigner, il faut la ramener dans son corps énergétiquement. D'accord. Donc, c'est le soin qui va la ramener dans le corps et lui faire confiance. Mais après ça, Tommy, je vais avoir un exemple pour toi. Il n'y a pas de danger, il y a même du plaisir à avoir. Et ensuite, de la ramener avec ce corps sur Terre. Que la Terre n'est pas un endroit dangereux, contrairement à ce qui lui est arrivé à la naissance. Il n'y a pas de danger, c'est comme vous disiez. Tabarnak, c'est une capoté. Qu'elle a senti énergétiquement dès la naissance. La maman ne voulait pas de cet enfant, ou alors elle est prématurée, on l'a mis dans une boîte en plastique au lieu d'être dans les bras de sa mère en gardant l'énergie de sa mère. Et donc c'est terrible, un enfant qui naît dans des conditions comme ça, elle n'a envie que d'une chose, c'est de retourner vers la vie. Et elle va associer, si vous voulez, l'arrivée à s'incarner, c'est mourir. Donc à chaque fois qu'elle va se retrouver en... S'incarner, c'est mourir, Tommy. Elle veut retourner là-haut. OK, là, hey, écoute, moi, je suis pas... Ça va être assez. Ouais, ouais, là, parce que là, je t'apprends à me désincarner, là. Je capote. Toute beauté, hein, c'est le gars qui a le plus l'air d'un pervers narcissique ever, qui nous dit qu'il déconnecte, qui aide les victimes de pervers narcissiques. Ouais. En les massant d'énergie, puis en reconnaît. Hey, c'est capoté. C'est cinglérette. Mais ça me tente, écoute, moi, j'ai un petit 4 minutes, OK? Un 4 minutes que je pense qui est important. Peut-être que tu l'as présenté cette semaine. Moi, je ne l'avais pas vu. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Puis je trouve que, justement, c'est un bel exemple de quelqu'un qui est désincarné, tu vois, dont la ligne d'Ara. Il va falloir que j'aille travailler. Moi, on écoute-tu juste ça, puis on finit le show là-dessus, genre? Parce que je regarde. Que envoyer, puis on le mettra une autre fois. Oui, on va faire ça, on va garder ça. Oui, parce que. Puis là, il y a une affaire qu'il faut que je dise. Je vais faire ça rapidement, là, mais il y a une affaire importante qu'il faut savoir. Là, c'est que moi, je ne ferme pas nécessairement toujours le stream suite après que le show est fini. C'est parce que on a constaté ça la semaine dernière. Quand on dit bye, le monde s'en va. Mais ah non, mais il reste des clips, là. C'est ça, là. Quand on dit « OK, salut », puis que, tu sais, Tommy, il s'en retourne travailler, moi, j'ai un conseil à vous donner. Restez. Restez, parce que vous pourriez manquer des affaires, tu sais. Je vous dirais que la Godette Brother, officiellement, elle se termine à 13h. Je vais le dire comme ça. Je préfère le dire de même, parce que, donc, voilà. Fait que, là, on a vu un prêcheur énergéticien, en tout cas, un charlatan. Un psycho-énergéticien. Psycho-énergéticien, voilà. Il y a des victimes de pervers narcissiques. Oui, voilà. Et, puis là, ben ce qu'on va aller voir, c'est le résultat que, tu sais, le genre de personne sur qui il travaille. Parce que, oui, c'est important, parce que si on ne s'occupe pas de ça, voici ce que ça peut donner comme résultat. Et c'est pas Jojo, les amis. Merci. Toi, il faut que tu ailles travailler. Là, va travailler. Oui, puis c'est M. 82 à 70% lundi. Puis on a eu Luc de la Rochelière lundi passé. C'était pas mal cool. Yes. Puis moi, je vous invite à soir tout ce qui chauffe. C'est un spécial punk avec Nicolas Dénommé. Ça va brosser. Fait que c'est ça. Va travailler, toi. Puis le show finit à 1h, les amis. Fait que on s'en va voir quels sont Quelles sont les potentielles problématiques que ça peut soulever de ne pas se faire whatever énergétisationner là. OK, bye-bye! Bonjour, chère société détraquée des années 2023. Je vois plein de vidéos cet ancêtre, puis ça fait un bout que je m'obtiens de faire une vidéo, mais là, aujourd'hui, là, je suis capable. OK, depuis la nuit des temps, depuis l'existence de la planète, ça, c'est même avant Jésus-Christ, notre dit sauveur. Il y a toujours eu un mâle, une femelle dans toutes les catégories de ce qui vit. L'humain, les animaux, l'horticulture, les légumes. Oui. Hein? Le légume étant la femelle, la graine étant le mâle. Si on n'a pas de graine, on peut pas faire pousser de légumes, on peut pas faire pousser de plantes. Pour faire des animaux, ben, ça prend un mâle et une femelle. C'est pas une question de dire qu'on est non-genré, là, si vous voyez la bande de tabarnak, là. Hein? Quand tu vas à l'hôpital et t'as une échographie, c'est un petit gars ou une petite fille?
Moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est you say que votre esti de cerveau de débile mental a décidé de plus fonctionner, puis de dire, on peut pas dire que c'est du non-genré. C'est pas à vous autres de décider si c'est un petit gars ou une petite fille choisira plus tard. Hey! Vous allez pas bien dans votre tête, tabarnak, de bande de petite société malade mentale. Ça a juste plus de fucking bon sens, man. Ça a plus d'hostie d'allure. Tu nais avec un pénis, t'es un hostie de garçon. Tu nais avec un vagin, t'es un hostie de fille. Fuck! Quand ton animal accouche, il y a des mâles, il y a des femelles. Eh ben c'est ça, c'est comme ça. Ça s'appelle la vie. C'est pas l'humain qui l'a choisi, pas l'humain qui l'a créé. Ça s'est fait ainsi de façon naturelle. Ce qui est pas naturel, c'est la façon que la société d'aujourd'hui réfléchit. Il n'y a rien d'anormal à dire que t'es un petit gars si t'es né qu'une bisoune, maudit vierge. Il y a encore moins rien d'anormal à dire que t'es une fille si t'es né fendue entre les deux jambes. Hostie! Moi, j'ai 4 filles, 1 garçon. Quand j'en vois un, me dit que c'est pas à moi de décider. C'est sûr que c'est pas à moi de décider. C'est la nature qui a décidé ce qui était d'être pour mes enfants. Et m'amener, bande de timbrés de société dépravée, là. Alors, placez-vous le cerveau, maudit vierge de bout de calice. Je parlerai pas des drag queens parce que on va déconnecter encore plus, puis là, ben, on va me faire bannir. Mais juste ça, là. Ça a juste plus de bon sens, même. OK? Arrêtez d'inventer des astis de syndrome à finir, man, de non-genré, de non-binaire, de ci, de ça. Moi, là, c'est même pas une. C'est pas que je suis pas ouvert d'esprit, je suis très ouvert d'esprit. Très ouvert. Mais là, m'amener l'acceptation, elle va aller jusqu'à où? Il faut qu'il y ait une limite à l'acceptation puis qu'il y ait un sens au bon sens, non? Tout ce qui se passe en ce moment avec les syndromes de non-genré, non-binaire, tu peux pas dire que j'étais un petit gros, c'est moi qui vais choisir plus tard. Ben non. Ben justement, non. 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 Non, non, non. La nature décide, puis il faut l'accepter. Hein? Acceptez-vous tel que vous êtes, calice. Moi, le principe du non-genré, là, t'es, man, qui s'est voulu dans le cul, man. La société est rendue malade mentale. C'est ça. C'était mon petit 3-4 minutes de pétage de coche. Fait que à tous les dépravés de cette belle dite nouvelle société malade mentale, je vous encule, man. Sérieux, vous allez pas bien dans votre tête. Ouais, bravo, 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 bravo. Lui, en a-tu compris des affaires, tabarnak? Wow, enfin, quelqu'un, c'est pour marcher des pieds de même. Ça fait du bien de voir ici un vrai patriote qui se tient droit debout comme une barre de fer. Debout dans son corps! Dans son char, ça fait du bien de retourner au classique aussi. Hein. C'est un peu comme d'aller regarder une pendaison citoyenne. Là. Ben, on peut juste l'imaginer, là, mais un peu comme nos ancêtres faisaient pour se divertir. Là. On va aller lancer des roches sur la pécheresse. Là. Dans ce temps-là, on était bien en tabarnak. Là. Puis là, de voir ça, un patriote de même là, qui se lève debout, puis qui parle de liberté, puis qui parle de choix, puis qui parle de laisser les autres faire comme ils veulent en faisant exactement ce que lui parle fort que les autres, ils veulent qu'ils fassent. Écoute, ça, c'est le genre d'affaires qui me requinque, ça fait du bien, ça. Écoute, Popol, c'est bien content de te retrouver là, pour une nouvelle édition de notre fiolage commun. Là. Toi, comment ça va mal cette semaine? Là? Ben, moi, je voulais te féliciter. Parce que tabarnak, tu l'as encore fait. Je sais. La semaine passée, t'as fait farmer ménage dimanche. C'est vrai. Puis là, cette semaine... T'as colissé Geekdoun Lepage, hostie de Twitter, ta passe-là. Oui, oui, oui. La stratégie, là, ça a été de juste, là, on se fait plusieurs comptes différents, puis là, on se pogne en pirate, là, puis là, on va l'insulter.
Là, l'important, c'est de comme aller l'insulter. L'important, là, c'est d'y faire aussi, de tout le temps y rappeler des affaires qu'il a faites dans le passé. Pas adresser l'affaire qu'il fait là, hein. Ça, c'est un piège, ça, qu'il essaie de tendre en tendant une discussion, parce que c'est pas ça un débat public, c'est pas ça un débat d'idées. Un débat d'idées, c'est que tu ramènes une affaire qu'il a faite dans le passé, jadis, puis tu fais juste y frotter la face là-dedans, là, hein. Hein, frotter la face là-dedans, hein, c'est ça. Là, il avait fait Mme Jagger aussi dans le passé, là. Écoute, ça peut pas être difficilement être un peu plus comme, comme il disait l'autre, là. Ça va faire pas avoir de genre. Mais toi, tu voulais dire Mme Broussard, là. Tu veux pas dire Mme Jagger. Exactement, Mme Bourrette, là, dans ouais, le temps. Oui, c'est ça, voilà. Dans ce temps-là, ça, c'était de l'humour, ça, c'était raffiné, mais là, on se rend compte avec le temps que c'était l'agenda mondialiste, on était tous tombés là-dedans. Hey, puis faut-tu pareil pas vouloir se cner de bout quand un gars comme Guidoune Lepage qui fait des tétrasiliards de kiach. Puis, tu sais, il y avait une personne dans son coin. Une personne. C'est Tony Vulhair. Puis, au lieu de payer 8 piastres, Guidoune, il a crissé son camp. T'es un vrai, toi, Tony. Je sais que ça a mal fini, moi, puis toi, la semaine passée, puis les autres semaines d'avant. Mais là, moi, je peux te le dire, je suis pas mal content que tu recommences à pas maïr, tu sais. Non, ça, je verrai pas jusque-là, là, mais en attendant, écoute, c'est des grosses victoires, puis mes amis pirates, là, sont tous du bon monde, les bonnes valeurs à la bonne place, là. Ils ont reconnu ma valeur dans ce combat du Jito, là, puis ils m'ont envoyé, ils se sont cotisés à la bande, là, puis ils m'ont envoyé quelque chose, là. Écoute, là, je vais te montrer ça, là, la petite Là, Chris, arrête! Là, tu te commenceras pas à broyer, Tony. Là, tu vas être. Fais attention, tu vas te ramasser menstrué, là. Ah non, je suis pas de même. Regarde bien. Ah ben, tabaslac. C'est ça. On n'aura peut-être pas de troisième lien, mais on va avoir Mérico. C'est ça qui est important. C'est là que ça se passe, les vraies affaires, la Barté, toutes les bonnes idées. Hein. Tu sais que toute la Barté qui existe ailleurs sur la Terre, ça a été importé de là. C'est eux autres qui ont produit. Là, ils partagent avec les autres. Les usines à Barté, les Braids Barté, puis... Les Patriotes, les Ross. Ouais. C'est ça, écoute, j'ai écouté l'analyse là, de Sylvain Laforêt, là, très, très citoyenne, l'analyse excessivement citoyenne. Ouais. Dedans, il nous apprenait, parce que là, on a eu une grosse nouvelle, là, ça fait mal, là, moi et ma bande de pirates, on était un petit peu en tabarnak après ça, là, je me retiens, là. Pour parler fort, je suis allé, là, probablement ça va monter, là, parce que, écoute, on s'était fait promettre de quoi, le troisième lien? Même en Floride, aussi, là, ça a l'air parce que Jeff Fillion est capote. Ça va être compliqué là, à Pompano Beach, là, pas de troisième lien à Québec. Là. Ah oui, déjà. C'est parce qu'il a l'impression que vous êtes fait mentir. Mais habitue-toi, accoutume-toi. Jeff Fillion, là, moi, je l'ai jamais entendu dire n'importe quoi qu'il ne s'est pas réalisé. Puis il n'a jamais menti, jamais nulle part, jamais. Jeff Fillion, là, ça, c'est un être d'amour éveillé. Quelqu'un qui chiale juste au bon moment pour nous donner le petit coup de pied dans le bon sens pour qu'on puisse s'améliorer collectivement. C'est pas le genre d'être humain ogre là, que vous a présenté. Puis écoute, là, il y en a qui disent que le troisième lien, on peut vivre sans. Tu vois comment ben, c'est vraiment... Ils connaissent Ardien. Ils connaissent Ardien. Pas Paul. C'est moi qui parle. Là, c'est assez, tout va bien. Tout va mal partout, pardon. Puis là, ben, c'est quoi qui se passe? C'est qu'on aurait pu avoir un troisième lien, puis ça aurait tout changé, tout aurait bien été. C'est ça qui se passe, là. C'est qu'on pensait avoir notre troisième lien. On pensait que tout était pour bien aller à partir de là, qu'on aurait été capable d'avoir enfin un troisième lien qui aurait pu nous permettre d'avoir un troisième lien. Puis là, à la place, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous l'enlèvent. Fait que là, tout va continuer à mal aller. C'est quoi qui va arriver, là? On va-tu avoir une équipe de baseball, des affaires importantes? Les vrais dossiers, ils sont où? Là, là, moi, j'aimerais ça dire à tout le monde aussi, là, faites certain d'aller écouter Radio Patate, là, c'est en balados. Puis allez, envoyez-y quelques pièces, là, parce que, écoute, c'est pas facile, là. C'est pas facile, ces gars-là. Ces gars-là, là, ils s'expatrient, ici dans d'autres pays, puis ils vont vivre en Floride, puis dans les tropiques, puis ils continuent de nous dire comment ça devrait marcher ici. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, là. Fait que là, il faut leur envoyer de l'argent pour ça, là. Ça presse. En fait, la stratégie, c'est quand même assez facile, papa, là. Ouvre tes portugaises, là, m'a dit ça, là, de la manière que ça marche, là. C'est que t'attends, c'est quoi que le gouvernement décide.
puis après, tu défends le contraire. Ah oh, ouais, mais c'est bien, mais c'est pas tout le monde capable de faire ça. Ah ben, c'est quand même assez facile. Là, je te mentirais pas que... Même toi, je pense que t'aurais probablement de la graine. T'essaieras ça, toi, de te partir un balados avec des microphones, puis des... écoute, là, c'est pas n'importe quel sans dessin qui est capable de faire ça, c'ti, là. Ben non, écoute, ça prend premièrement l'expérience, deuxièmement, tu veux que ça soit professionnel, troisièmement, t'engages des jeunes stagiaires, hein, comme André Pitt, là, il a fait travailler sa fille, c'était beau à voir aller, ça. La relève, hein, on va lancer des alertes. T'es-tu sa grosse petite corde? C'est chaud. Dans ce temps-là, écoute, les erreurs sont sympathiques, là, parce que c'est ça le professionnalisme, hein, c'est ça, être capable. Ils n'ont pas droit à l'erreur, ce monde-là. C'est ça qu'il faut que le monde comprenne. Ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils sont regardés en direct par des brésiliens de personnes là, qui attendent n'importe quelle petite erreur pour transformer ça dans le spectacle de médisance. Mais au moins, la diffamation est terminée du bas de ménage du dimanche. Là, on va pouvoir. Puis de Guillaume. Hey, là, toi, pour de vrai, là, sérieux, là. T'es deux en deux, là. Hein? Ça va bien. Médisance du dimanche, puis Guidoun le père, en deux semaines. Oh. Comment tu fais pour avoir la grosse tête, Tony? Ben, je vais le lire. C'est pour ça qu'ils m'ont mis la casquette America. Là. Ils m'ont aussi offert un trophée là, à dernier barbecue des pirates. Là. C'était pas mal beau. Là. On était entre gars, on se touchait, on était proches l'un de l'autre. Mon prof Eric, il tape dans le dos puis des petites tapes sur les fesses. Là, OK, on se touchait. Ben oui, on va faire attention, là. Écoute, là. C'est comme l'autre, il a dit tantôt, hein, si vous pensez pas comme moi, je vous encule toute la gang. Ça, ouais. Ça c'est du vrai patriote allumé. Mais ça, moi, là, je m'en vais te le dire, là. Je pense qu'il est temps qu'il y en ait un qui le fasse. Parce que moi, j'aimerais bien ça, comment ça va fonctionner, ça. Tu sais, quand à un moment donné, ça va être le temps, là, tu sais, de dire, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous encule. S'il y a quelqu'un qui se présente puis qui dit, OK, moi, je suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça marche pour que tu m'encules? Comment ça va marcher, ça? C'est ça que ça... Les choses se passent. Ça, c'est le contraire de la CAQ, hein. Parce que la CAQ, eux autres, ils ont promis des affaires et ils le font pas. Mais là aussi, l'autre, le patriote, il promet d'enculer de ceux qui sont pas d'accord. Mais... Au moment où il va falloir qu'il commence. Faut pas devenir là. Comme la CAQ, là. C'est quoi tu fais aussi, là? Admettons, là, t'es en train d'enculer l'enfant de fienne qui a décidé de pas être d'accord avec toi. Puis là, pendant que tu fais ça, il dit, comprends tes arguments, je change d'avis à cette heure. Maintenant, je suis d'accord avec toi. C'est quoi tu fais? T'arrêtes tout de suite, là, tu t'en vas faire autre chose. Tu t'en vas enculer le prochain. Là. Mais là, c'est ça, t'as un moment donné, là. Parce qu'en tout cas, moi, ça me fait bien peur, ça, parce qu'avec toutes les dry queens, là, puis en tout cas, je veux juste avertir les gars, que, faites attention, les gars, parce que les gars... Encore à genrer des affaires. On l'avait dit, Popol, là, c'est pas de même. On appelle ça des citoyens, des patriotes ou des patriotesses. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, là? Chris, quand t'as une bisoune, t'es un gars? Ah, c'est sûr. C'est quoi que t'essayes de me dire, là? Je comprends rien, là. Je suis en train de te dire qu'à un moment donné, je faisais de l'humour. T'as pas compris? Mais c'est nouveau, ça, parce que moi, je t'aimais quand t'étais pas drôle, là. Ouais, j'ai peut-être ma manière d'être drôle, puis peut-être que tu comprends rien, Popol. Écoute-moi. C'est vraiment difficile. On va recommencer au début avec les électrochocs, si t'arrêtes pas, là. Ben, écoute, moi, je suis content que t'aies fait ça, parce que c'est là que mes cheveux ont recommencé à pousser. Écoute, c'est pas juste à cause de ça. Tu n'as jamais été autant abondante depuis. Tu m'envoies les photos. On voit que tu es capable de remplir les Tupperware. Ça, c'est grâce justement aux électrochocs, papa. Il va falloir que tu encaisses, que tu réalises qu'il y a des affaires. Il va falloir qu'on trouve d'autres solutions, par exemple, pour le côté hygiénique là, de ça. Il va falloir qu'on s'en parle, là, peut-être, tant t'es quoi. Dans des chaudrons, puis nourrir tes alligators de maison, là, comme tu avais dit. C'est bien correct avec ça. Là. Ouais, écoute, Popol, ça avance vraiment lentement. Là. Prends-tu des notes quand je te montre comment ça marche pour vivre comme il faut? Là. C'est ça. Et toi, un crayon. Mais là, tu m'avais dit, organise-toi pour prendre des notes. Fait que là, acheter un crayon. Acheter un cahier. C'est mais là, j'attends juste que tu me montres comment lire et écrire. Ça va être le fun.
Après ça, tu vas être capable. En attendant, tu fais les petits symboles, comme je t'avais dit. Là. Tu peux faire les dessins à les X. Là. Ouais, les X. Ça, parfait. Gardez ça vivant. Écoute, Popol, moi, je voudrais juste prendre un instant avant d'aller faire autre chose là, pour remercier les pirates pour leur dévotion sans retenue à l'important combat de chioler. De chioler. Là, je comprends, on vient de se faire enlever une affaire qu'on s'était fait promettre par un politicien qu'on a eu, c'est tout dévendu. Puis moi je vous dirais là, qu'on le savait depuis le début qu'il était pour pas en avoir anyway de troisième lien. Puis je pense qu'entre nous autres, on va se mettre d'accord. Là, hein, ce qui est important, c'est de se faire dédomiser. Ce qui est important, c'est d'enculer ceux qui ne pensent pas comme nous autres. Puis ce qui est important, c'est, et peut-être plus que tout le reste, là, c'est de continuer à être unis, à chioler. Vraiment, juste ça, là, chioler contre ceux qui ne sont pas d'accord avec nous autres. On chiole. Ben là, je ne sais pas si t'es rendu au bout de ton speech, mais moi, je recommence à être menstruité, fait que... Faudrait aller chercher un Tupperware, là. Fuck you, logo. Écoute, je vais essayer la prochaine fois d'être plus en tabarnak après rien. Là, ouais. J'aurais pu parler plus fort. Ça va pas, toi, hein? Ça va pas, hein? Tellement heureux avec ma casquette que je me dis que c'est ça. Là, je voulais juste, c'est ça, vous la montrer, puis là, ça veut dire que... Je pense que ça va pas, toi, là. On se parle dans 7 jours, c'est bon, c'est parfait. Ça veut dire dans 7 jours... Puis tu slackeras les snaps un peu de ta calotte. Tu slackeras les snaps un peu. Là. On verra. C'est là, trop écoute, serré. En attendant, manger toute la merde, puis ça a été désagréable. Va chier, Trudeau. Fuck you, Trudeau. Fuck you, Legault. Fuck you, Arruda. Fuck you, Arruda 2 aussi. Là, on oublie ça. Toutes les clowns, là, les copies du monde, les clowns. Là, ça, tu vas aller chier, ça, tout. Allez, tout fuck you, easy. Là, on vous encule toute la gang. C'est ça. C'est Barthez, puis on chiale. On lâche rien, la gang. On lâche rien. Jamais. On lâche rien. 100% raison. C'est toute la ligne, tout le temps. On lâche rien. Jamais. Là, je vais être obligé, là, parce que... T'as besoin de closer, hein, mon Tony? Ben, c'est parce que c'est ça. En tout cas, bonne soirée, là, puis... c'est Tout ce qui explore. Tout ce qui ose. Tout ce qui décoiffe. Tout ce qui surprend. Tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.